J'arrive pas à croire qu'on va voir le tournage de Pacific Coast High, les filles. C'est ma télé-réalité préférée, sans la moindre hésitation. Ouh, et on va pouvoir rencontrer Fedra Westworld et Arthur Dune. Ça vous dirait qu'on se regarde le dernier épisode avant que vous y alliez? Ah bon, d'accord, mais alors on en regarde seulement un. Ma vie n'est pas parfaite. Je sais seulement choisir mes objectifs. J'ai trois règles. Pas touche à mes amis, pas touche à mon style et pas de surf la nuit tombée. Les ondes négatives, c'est comme les perles en toc. Je suis allergique aux deux. L'océan est ma plus grande source d'inspiration. Il est profond, comme moi. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est m'occuper de moi, de ma peau et de ce qui ne me regarde pas. Moi, je suis la plus grande star de l'émission. Tu devineras jamais quoi. L'autre jour, je cherchais des coquillages sur la plage et tout à coup... C'est un sifflet réservé aux sauveteurs, Simone. Ça sert à sauver des vies. Ça, c'est au moins aussi important, Ali. Ok, tout le monde, c'est aujourd'hui qu'on accueille notre nouvelle directrice. Alors tous ensemble, on va organiser une méga fiesta pour lui souhaiter la bienvenue. C'est quoi son signe? C'est qui alors? C'est Paris. Yeah! Hilton. Wow. C'est le plus gros mytho qu'on ait entendu depuis la fois où Margot a raconté que c'était l'océan qui avait mangé son devoir. Salut Pacific Coast High. Votre nouvelle directrice, c'est moi, Paris Hilton. Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous. J'ai trop hâte. À tout de suite. J'hallucine. Vous avez pas vu mes boules de peinture? Cette soirée va être trop mortelle. À moins que quelqu'un ne vienne gâcher l'ambiance. Je ne vise personne en particulier. Finn? Fedra a un sérieux problème avec moi et je sais pas pourquoi elle m'en veut à ce point-là. Heureusement, je ne sors jamais sans mon maquillage waterproof biologique que je fais moi-même. Pour que mon visage soit toujours parfait. Finn, tu es vraiment casse-pied. Il est comment, mon maquillage? Parfait, comme à chaque fois. Alors, t'as demandé à Finn de sortir avec toi? Non, c'est vraiment un super pote. J'ai du mal à savoir ce qu'il ressent pour moi. Ah, ça doit être trop romantique de sortir avec son meilleur ami. Ah. Il fallait que je prenne une photo, vous auriez vu votre tête. Pas de panique les filles, je vous ferai des photos super canons à la fête ce soir. Margot et Fedra ne font que parler de Finn. Mais la photo de lui qui est dans son casier, c'est moi qui l'ai prise, figurez-vous. Donc en vrai, celle qu'il aime, c'est moi. Mais moi, je l'aime pas, hein. Enfin, voilà. J'ai pris cette magnifique photo de l'océan l'autre jour. Regardez, faut que j'en fasse une peinture. Non! Ça t'arrive jamais de regarder autre chose de ton appareil? Simone, regarde où tu mets les pieds! C'est toi qui as laissé ta palette de maquillage par terre, Fedra. Et ça, c'est un crime contre la beauté. Je rêve, là? Pardon, mais si t'avais une ligne de maquillage pour laquelle tu es prête à tout donner, tu saurais ce que ça fait de voir quelqu'un piétiner ton œuvre. Mais t'en as pas, donc arrête de faire comme si tu savais de quoi tu parles. T'as compris ce qui s'est passé? Il faut que j'essaye de me ménager pour ma performance de ce soir. Je ne peux pas m'en mêler. Il ne faut pas que je force sur ma voix. Coucou, Pacific Coast High. Désolée, Harper, c'est moi la plus grande star de l'émission maintenant. Mon devoir en tant que directrice, c'est de vous inspirer et de vous mettre au défi, mais aussi de connaître vos problèmes. Alors, racontez-moi tout. Eh bien, on était en train de dire que Simone a volontairement piétiné ma palette de maquillage. Voici ma trousse de maquillage d'urgence. Je ne sors jamais de chez moi sans elle. Oh, c'est vraiment... Oh, génial! Vous êtes coolissime! Merci, Madame Hilton! On adore. Maintenant, à nous. J'ai regardé attentivement tous vos épisodes et je vous ai bien observé. J'ai appris plein de choses et pour mon premier jour, voilà ce qu'on va faire.
Tour à tour, je vais vous coacher. Tout d'abord, Ali. Tu es une styliste talentueuse et une amie sur qui on peut compter. Et en tant que maître nageuse, tu es extraordinaire. Mais pense aussi à prendre soin de toi. Sois ton propre héros. Wow. Harper, tu te concentres sur ton art sans te mêler des histoires. Mais il faut aussi faire entendre ta voix avec tes amis ou tu vas perdre la passion. Et c'est pas cool, ça. Simone. Tu observes la vie à travers ton appareil. C'est vrai que tes photos sont magnifiques. Mais il faut regarder le monde avec tes propres yeux pour ne pas passer à côté. Margot. Tu as trop raison. Merci pour tout. C'est moi ou elle communique par transmission de pensée? Phaedra, tu es sublime. Ça saute aux yeux. Mais ne vole pas la vedette à tes amis. Si tu laisses les autres briller, tu brilleras encore plus. Et pour finir, Finn. T'es un vrai artiste, j'avoue, c'est sexy. Mais le problème, c'est que toi, tu n'y vois que du feu. Alors que toutes ces filles brûlent de passion pour toi. Quoi? Non. Hé, hey, non. Le seul truc qui me passionne, c'est chanter. Très bien, mes chers étudiants. Demain, nous apprendrons à exploiter à fond notre potentiel. Mais pour l'heure, allons fêter ça. Yes! J'ai organisé une fête de folie en ton honneur. Je veux dire... Nous avons organisé. On adore. Alors, c'est parti pour danser. Dans le prochain épisode de Pacific Coast. Génial. Méga bombe. Quoi? C'est tout? Et il s'est passé quoi à la soirée? C'est vrai, ça. Oh, à chaque épisode, il nous laisse sur notre faim. Et je comprends pas ce que toutes les filles trouvent à Finn. Ses peintures sont magnifiques, mais franchement, je le trouve un peu ringard. Figure-toi que non, Gabi. Je connais Finn depuis toute petite et je suis certaine que vous allez vous entendre à merveille. Oh. Oh, je sens que cette virée va être trop mortelle. Ocean breeze on an endless summer night, where it's sunny all the time. Everybody's famous and fabulous, you can believe the hype. Come on and catch the wave, classic like golden rays. West Coast kind of vibe, hey. Chillin' on the beach till we see the city lights. We can do anything we want, but we just wanna have a little fun. You got me. J'ai juste un petit truc à dire. J'espère qu'on aura la clim à Malibu.
retour dans notre école chérie d'amour. Rainbow High, nous voilà. J'ai vraiment adoré Pacific Coast High. Mais entre nous, c'est plus dur de se débarrasser du sable que des paillettes. Enfin, c'est pas trop mon truc. Salut mes amis chéris, je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a manqué? Absolument rien, tout s'est déroulé à peu près comme d'hab. La même routine, les mêmes dramas et les mêmes Laurel et Holly. De vrais petits anges. Et encore et toujours, fidèles à eux-mêmes, les magnifiques trois as. Désolée, petite urgence de queue de cheval. Et toujours la même sonnerie pour aller en classe. À plus les filles. Sunny, qu'est-ce qui se passe? On dirait que mon film a été tourné il y a un millénaire, dans un monde sans aucune couleur. Oh, wow, tout est en noir et blanc, c'est dingue. Mais où sont passées toutes les couleurs? Oh, moi j'adore la palette de couleurs limitée. Mais ça ne te ressemble pas de faire ça, Sunny. Non, mais je fais jamais rien sans couleur. Mais c'est son truc à elle. Ça passait encore quand elle le faisait avec les posters. Mais par contre là, s'en prendre à mon art. Non mais quel tout va bien. On va avoir une petite discussion. Ce sont des perles de verre soufflées. J'ai mis des semaines à les assembler. J'ai pris du fil ultra résistant pour être sûre qu'elles tiennent. Wow, oh, génial. Oh non. C'est pas possible. J'ai pourtant utilisé ce dissous à la chaleur. C'était censé être un fil ultra résistant. Je comprends pas. Quelqu'un a dû les échanger. Je vois rien d'autre. C'est ça. Ok, je viens de finir ce morceau qui, vous verrez, me ressemble beaucoup parce qu'il est... pop! Rainbow Eye, tu ne perds rien pour attendre. Tais-toi! Cette voix... j'arrive pas à l'oublier. C'était horrible de voir toutes les perles tomber par terre. C'est peut-être qu'une plaisanterie. La pire des plaisanteries, tu veux dire? Qui ferait un truc pareil? C'est peut-être un coup des dieux de la mode. Impossible! Les dieux de la mode ne s'en prendront jamais aux gens qui ont du goût. J'en suis sûre. Non, non. Ces soi-disant plaisanteries sont plutôt... l'œuvre de Shadow High. Ouais, c'est du Shadow High tout craché. Shadow High? Il y a vraiment un lieu qui s'appelle comme ça? Je croyais que Shadow High était juste une autre école. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Tu crois qu'elle a vraiment quelque chose à voir avec tout ça? Votre attention, s'il vous plaît. Tous les étudiants de Rainbow High sont attendus dans l'auditorium pour une réunion très spéciale. Alors ça, c'est pas ma voix. Oh, sérieusement, elles vont me faire le même cirque chaque année? Où est passée la directrice? Tu crois qu'elles l'ont eue? Elle aussi? Non, non, non. Elles ne m'ont pas eue. Chaque année, Rainbow Vision est une compétition musicale amicale qui rassemble les meilleurs lycées d'art de la planète. Ce n'est en aucun cas nous contre eux. Bien. Ces plaisanteries entre les élèves du lycée de Rainbow High et Shadow High commencent chaque année un peu plus tôt. Prends garde, Rainbow High, car cette année, Shadow High va faire une entrée décoiffante à la Rainbow Vision. Rainbow High a bien trop souvent causé du tort à Shadow High. Mais cette fois-ci, c'est au tour de Shadow High de connaître son heure de gloire sous les projecteurs. Préparez-vous à une éclipse. Oh là là. Ça veut dire quoi? On sait vraiment pas ce qui se passe. Shadow High, il pense vraiment être notre plus grand rival. Laisse-moi rire, c'est perdu d'avance. Désolée, Rainbow High finit toujours par gagner. Ils sont tellement mauvais joueurs! Shadow High est loin d'être une grosse menace, on finit toujours par gagner.
Ouais, je crois qu'on devrait s'en tenir à une compétition loyale. Tu te souviens de la fois où ils ont trouvé le moyen de hisser la statue de la licorne sur le toit de notre école ? Je croyais que cette plaisanterie n'était rien de plus qu'une légende. Oh, les élèves de Shadow High ne sont des légendes que dans leurs rêves les plus fous. T'as vu la tête qu'ils ont faite ? J'étais presque trop occupée à regarder leur déguisement de clown. Tellement ridicule. Non, mais la tête qu'ils ont tirée. Naomi ! Quoi ? Y a un problème sur la route ? Non, tes cheveux sont... J'ai pas terminé. Qu'est-ce qui se passe, Sunny ? Pourquoi tu nous as toutes réunies ici ? Je dois vous avouer quelque chose au sujet de Shadow High. J'ai bien peur que bientôt ces mauvaises plaisanteries soient dirigées contre vous. Je connais quelqu'un qui est là-bas. Hein ? Quoi ? Ma jumelle maléfique va dans cette école. Oh ! Alors, comment ça s'est passé ? Ils ont bien reçu le message. Rainbow High va tomber de son piédestal. Chanel, c'était absolument magnifique. Jusqu'à ce que tu te casses la figure. Bien sûr que j'étais magnifique, Luna. Cette idée de me faire voler, c'est trop naze. J'en ai marre. Tu peux pas dire ça, c'est la meilleure partie du film. Tu deviens responsable de ta propre ligne. Alors tu prends ton envol, enfin libre d'exprimer qui tu es vraiment. Luna, mon film sur la mode n'a pas besoin d'un numéro de voltige. Tu sais que là, tu parles de mon film. C'est moi la star. La styliste et le mannequin principal. De toute évidence, c'est mon film. Et moi, la scénariste réalisatrice. Et alors ? Et alors, il manque une prise. Si Chanel dit stop, alors c'est stop. Mais moi, je peux la remplacer. Non. Hors de question, Natacha. Personne ne peut remplacer. Chanel Onyx. D'accord, c'est vrai. On ne remplace pas Natacha Zima non plus, d'ailleurs. Oh, je t'ai apporté à boire. Il faut t'hydrater. Tu veux que je massacre mon rouge à lèvres, c'est ça ? Ni ! Attends, t'as pas du Lippenstift anti-bavure ? Je veux dire, du rouge à lèvres. Ma belle, faut vraiment que je t'emmène faire du shopping. Luna, ça te dérange pas si je lâche un peu les câbles ? Selon l'entraîneur, je dois faire des pauses dribbles toutes les heures. Chanel, on s'était mise d'accord sur ce storyboard. Il faut que tu finisses la scène. C'est mon projet de mi-semestre. Faudra me passer sur le corps. Ne dis pas des choses comme ça, Chanel. Ça va, c'est qu'une expression. Oui, eh bien nous, aux Pays-Bas, on dit « être sitvel schnor », être assis comme une moustache. Ça veut dire « pas de soucis ». Alors, ça donne quoi ? J'apprends le hollandais. En fait, je parlais des dramas. Oh, c'est drôle à voir. Elle se renvoie bien la balle. J'ai cédé à tous tes caprices. Le fauteuil de réalisateur, l'eau purifiée par osmose inversée, les fruits frais. L'ananas de ce matin était en conserve. On me la fait pas à moi. Oui, bah il était frais quand on l'a mis en conserve. Je croyais que Luna et Chanel étaient amies. Elles le sont. Chanel, Luna, ne vous battez pas. Ou si vous tenez vraiment à vous disputer, mettez-y la forme. Un petit effort, distrayez-moi. C'est pas sérieux, là. Allez, Oust, du balai. Viens, Ash, on s'en va. Luna, tu viens déjeuner avec nous ? Il faut que je finisse de tourner ça. Alors ça, c'est hors de question. J'arrête tout. Tu peux pas nous lâcher comme ça.
Vous lâchez comme ça, moi? Un peu de sérieux, je lâche les gens avec panache et toujours une pointe de drama. Bye! Tiens, Naomi, t'es là? Ne me parle pas, baisse les yeux devant moi, ne respire pas à côté de moi. T'auras déjà bien de la chance si Chanel Onyx te souffle dessus. Demi-tour, vous deux. Remettez-vous au milieu du studio. Mais la cafette, c'est par là? Oui, et vous, c'est par là que vous allez. Qui connaît le soi-disant lycée appelé Rainbow High? Et qui pense que Rainbow High est mieux que Shadow High? C'est vrai, ça? Je vous préviens, vous allez devoir le prouver. Mais enfin... Silence! Luna Madison, laisse parler les femmes de la haute. On vient de jouer un mauvais tour inoubliable à Rainbow High. Mais maintenant, on a un méga problème. Pas vrai, Véronica? On s'est renseigné sur les meilleurs projets du semestre à Rainbow High et on n'est pas contente du tout. Oh, c'est ta sœur jumelle maléfique sur la vidéo? Ouais. Trop maléfique! Leur art est à bout de souffle. Je te jure, c'est tellement fait et refait. C'est clair. Alors pourquoi on se prend la tête avec eux? C'est vrai, ça. Ils ont du talent. Et on a du talent aussi. C'est pour ça qu'on est rivaux. Parce que t'as du talent, toi. C'est pour ça qu'on est à Shadow High, pas vrai? Mais est-ce que vous allez y rester? Prouvez-nous que vous valez mieux qu'eux. Pourquoi? Tout le monde sait déjà que c'est nous les meilleurs. Je te signale qu'on n'a toujours pas vu tes hauts faits. C'est qui au juste, ce Théo fait? On veut voir vos projets de mi-semestre avant 8 heures, ce soir. Attends, mais c'est que la semaine prochaine, la date du rendu. Ben, c'est avancé à ce soir. Vous avez le droit de faire ça? Oh, si t'es obligée de te poser la question, tu ferais mieux de te demander ce que tu fais encore à Shadow High! Désolé, mais faut que ça sorte. Ces filles sont incroyables. Écoutez-moi tout le monde, on est venu à Shadow High pour repousser les limites de notre art. Et maintenant, on a l'occasion de le faire. On va régler son compte à ce semestre. Je suis motivée. Carrément. Triangle main. Plus que 6 heures avant le rendu de nos projets. On sait tous lire l'heure, Ash. Sérieux? Je viens d'apprendre. Vidéo, c'est trop la honte pour Chanel. Mais quand même, c'est trop drôle. Natacha, comment ça se fait que tu sens la neige immaculée d'un matin d'hiver? Dis donc, t'as du flair. T'as trouvé la moitié de la senteur de mon nouveau parfum. Je suis très impressionnée. Merci. L'autre moitié de la composition, c'est de l'essence de fleur de lys. J'ai plus qu'à laisser un peu mijoter. Non! J'ai attendu trop longtemps! Oh! Je te préviens, si tu mets de la peinture sur cette robe... Quoi? Tu referas 5 robes exactement pareilles? Je fais une ligne de vêtements, Nicole. Ça veut dire que j'aurai droit à une petite réduction? C'est ma ligne et personne n'aura de réduction, même pas ma mère. Retiens bien ça. Plus de néon? Non! Hey, je peux te dire un truc? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai coupé la scène. Encore heureux, oui? Ouais. Elle était pas nécessaire. T'avais raison. Oh, Luna Madison admet donc avoir eu tort? Oh, non, pas du tout. Ça fait partie du processus créatif de prendre des risques, de faire des erreurs et... Oh, d'accord, j'avais tort. De toute évidence. Alors, tu veux toujours travailler avec moi?
Bien sûr, tu sais trouver mon meilleur profil. C'est pas dur, ils sont tous bien. Les premières années, l'heure est venue. On est censé être impressionné par ça? On va voir ça. C'est osé. Et ça fait réfléchir. On peut dire que c'est agressif. Ça me plaît. Un. Les baskets, c'est mort. Remplace-moi ça par des talons hauts. Pour une fois que Naomi a une bonne odeur... Cette robe, je pourrais la porter. Pas si je la prends avant toi. Beau travail, les nouveaux. Vos profs vont être impressionnés. Mais la compétition entre Shadow High et Rainbow High n'est pas finie. Ce que vous êtes sur le point de vivre va être la plus grande guerre de lycée de toute votre vie. Vous avez intérêt à remporter la compétition. Si vous nous décevez, c'est fini pour vous. Et maintenant... du balai! Non, toi tu restes Luna Madison. On aimerait te dire un mot ou deux.